poison? Impossible! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Mais je peux pas prendre de risque. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Pansement, poison, pas bien. Sauf que j'ai fait deux fois croix pour... lancer la toile. Bon bah salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spider-Man. Alors gros souci, enfin plus petit souci que la dernière fois. La dernière fois c'est tout un épisode qui a été super chiant parce qu'en fait, pas super chiant dans le sens où l'épisode n'était pas chiant. C'était plutôt qu'en fait j'ai 52 minutes de foutu en l'air. Là c'est juste le début, j'ai 20 minutes de foutu en l'air parce que la place est éteinte encore une fois. Tranquille une minute, je dois analyser la neurotoxine. Pouvoir créer un antidote. Et en fait, Scorpio m'a donc Scorpion, je veux dire. Ok, bon, j'ai pas de temps, donc ça va. Je veux dire, j'ai pas de chrono, donc ça va. J'ai tout le temps qu'il me faut. Alors, j'ai ça. Putain. On va essayer. Sinon, après, on verra tout à l'heure, de toute façon. On va faire ça au fur et à mesure. Je pense que j'ai bon là pour l'instant. Allez. Pas besoin de, en fait, de l'autre. Voilà. Neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote et vite. Il faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'Ecliptal va devrait faire l'affaire. Serre de l'université est pas loin. J'espère que c'est la saison. Allez, allez, allez. Non, fais toucher. Allez, go. J'arrive à la serre. Il devrait y avoir de l'éclipse d'Alba. Non, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, s'il te plaît. Merci. La voilà. Allez. Où elle est passée? Je crois qu'elle est toujours là, hein. C'est juste que... C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est peut-être c'est... les deux. Doc? Allez. Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc? Vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. D'accord. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah, Peter. Toujours à vouloir prendre les choses en main, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais. Ça va me manquer de nous, sincèrement. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as laissé faire. C'est à se demander où sont tes priorités. Je veux dire, si c'était vraiment important à tes yeux, pourquoi tu m'aurais laissé m'auto-détruire? Je peux vous aider. C'est l'interface neurale. Elle agit sur votre esprit. Tu veux parler du réseau neuronal que tu m'as aidé à créer? La dure vérité, c'est que c'est toi qui m'as fait ça. Sans ton aide, je n'aurais fait aucune de ces choses abominables. J'aurais dû voir ce qui vous avait fait. J'aurais pas dû vous laisser seul avec ces bras. Bonne chance. J'aurais voulu pouvoir t'aider plus. Reste fort, Peter. Ah, mais je pouvais faire ça. Je croyais que je pouvais pas.
Voilà l'équipe d'Alma. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Donc sa tête est coupée. Enfin, pas sa tête, mais le haut de son crâne. Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. Allez. Ah mais c'est loin là par contre. Ah d'accord. Une queue de scorpion géante. Super. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Peter? Une panique s'empare de toi. Scorpion? Comment t'as eu ce numéro? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est elle que je t'appelle. C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je fais mieux, je m'occupe de toi, Mac. Savoir ce que Freud penserait de tout ça. Aïe, aïe, oh putain, non. Non, mais putain, mais ils sont chiants. Mais il faut une entité. Ils peuvent pas remettre là où on est mort. Pas possible, ça, c'est trop demandé. Poste de recherche d'Harry. Ah, moi, l'intelligence est limitée pour ça. Je dois vite me rendre là-bas. Une queue de scorpion géante. Super. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Peter? Une panique s'empare de toi. Scorpion? Comment t'as eu ce numéro? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est est-ce que je t'appelle. C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je fais mieux, je m'occupe de toi, Mac. Allez. C'est quel monde révélateur. Chasse des ombres. Allez, 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 avance, avance. Même pas savoir ce que Freud penserait de tout ça. Non, non, non. Putain, mais allez, c'est autre sorte. Poison, pas bien. C'est pas possible, ça. Tu m'en doutais. Non. Voilà le poste de recherche. J'ai besoin de mettre tout ça. Il faut que j'accède à ce poste. Propre esprit, trop vite, juste là. Allez, allez, voilà. Même scène où il tombe. Faudrait qu'il... N'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. La tropine a disparu. Pas encore. Et c'est quoi cette fois? C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc! Ah, mais si, c'est moi! Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser les chaînes. Je regrette! Ok, d'accord. Gros bug. Gros bug. N'importe quoi. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc! Ah, mais si, c'est moi! Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser mes chaînes. J'ai rien compris. Je regrette! Je trouverai un moyen de vous aider, je vous le promets! Arrête de te voiler la face! Tu n'aides jamais personne! Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison! Tous ceux que tu touches souffrent. Arrêtez de fuir!
Laissez-moi essayer! Je ne veux pas de ton aide! Oula! Y'a un bras tu là. Tu es nul! Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon! Non! Arrêtez! Je vous laisse même pas tomber! Je vous en prie, parlez-moi! Je peux vous aider! Alors tu veux me traiter comme tous les autres? En me réprimant, en m'étouffant? Non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Je t'ai vu. Mais... prendre des notes, voler mes idées. Une taupe dans mon laboratoire. Et moi qui te prenais. Je suis votre ami, Otto. S'il vous plaît, je vous ai toujours soutenu. La voilà. La troupine. Il a le signe grave, hein. Je peux rien faire par contre là. J'ai plus qu'à se retourner au labo. Toujours avec nous. Presque Jerry. Ça va dominer tes plans. Oh, t'inquiète pas, j'ai encore plein de surprises en réserve. On se revoit très bientôt, tous les deux. J'y compte bien. Allez, allez, allez. C'est bizarre quand même. Ah, ça fait mal ça. Je veux même pas savoir ce que Freud pensait de tout ça. J'ai réussi. Miraculeusement. Ouais. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je crée l'antidote. Mais tu marches tranquille. Alors que enfin, tu vas mal, hein. Le vrai labo. Adieu les hallucinations. Allez, allez! D'accord. Tu es sur mon territoire. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Tu croyais débarrasser moi? Scorpion, tu es réel? Bouge pas, je vais te montrer. Étourdissez Scorpion avec de la toile, d'accord. Et une ouverture. Encore une hallucination. Au moins, je l'ai pas imaginé trop fort. Et c'est là-bas maintenant. Alors, c'est quoi ça? Plusieurs hommes? Ce sera pas aussi facile! Bien sûr que ah, j'ai! Non. Maintenant, je sais que c'est le poison qui essaie de me distraire! Je t'attends! Donne-moi! T'es un raté! Il est où? Tu seras jamais bon à rien! Je dois pas me blesser! Aïe! Je dois me débarrasser de lui et me concentrer sur ma tâche. Cool! Que quelques-uns! Mais encore un! Tu pars, un héros. Tes proches souffrent. C'est comme les trolls. Là! Voilà! Je dois essayer à la place! Un autre pas. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà la centrifugeuse. Et voilà. Enfin, j'ai presque plus de temps. Je le sens. Je crois
tu as réussi. Où est passée ma tenue? Oh, je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. C'est clair. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon, on va dire que rien de ça n'est arrivé. Oh là, d'accord. Le réveil, il était super, là. Ok, bon, ça, c'était normal. J'avais plein de bons souvenirs dans ce labo. Beaucoup moins maintenant. C'est clair. Là, c'est de l'autre côté. Celui-là. Ah d'accord. D'accord, ici. Encore un truc de la radio, on va rien faire avec. Attention. Parker. Toujours l'oreille qui traîne, pas vrai? Toujours en train d'observer, de mémoriser, de voler. Qui t'a parlé de l'interface neuronale, hein? De mon travail? C'est terminé, Parker. Je te faisais confiance, mais au lieu de reconnaître mon génie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de la détruire. Tu l'as accusée d'être imparfaite. Elle est parfaite! C'est une merveille! L'extension parfaite de l'esprit dans le monde. La pensée interprétée par ses bras incroyables. Je n'ai qu'une pensée à l'esprit en ce moment. La réputation de Norman en pièces à mes pieds. Il est temps de lui donner forme. Ok. Alors ça, c'est quoi déjà? C'est... Voilà, ça on fera une autre fois, je ferai ça hors vidéo. Peter dit que l'interface est dangereuse. Mais c'est un néophyte. Il n'a jamais rien créé. Il croit qu'on peut rester sur le bas-côté et éviter la boue. Mais des gens sont morts pour fonder ce pays, ou pour aller sur la Lune. Toute grande avancée nécessite de faire couler le sang. Et c'est cette avancée-là qui nous permettra de nous libérer de la fange de Norman. Elle pourrait être la plus sanglante. Je vous laisserai pas faire ça, Doc. Oh, pardon. Il a planifié ça juste sous mon nez? Est-ce que c'était qu'une idée qu'il avait en tête? Avant que l'interface ne le fasse basculer? Combien de temps il a pu utiliser l'appareil sans que je m'en rende compte? Ça, je pense que c'était un moment, ça. Ça fait un bon moment que je pense qu'il l'utilisait. L'interface neurale amplifie la rage du Doc. Il s'en remettra peut-être jamais. Il y avait quelque chose là, non? J'ai cru. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, là aussi c'est des trucs à faire hors vidéo. Y'a rien là? Là, si. Le Doc n'a pas fait que renforcer les bras. Il les a transformés en armes. Bah oui, attends. Pourquoi avoir des bras sans armes, hein? Non mais oh. Bon, c'est bon, j'ai tout vérifié. Ah, j'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse d'évacuer le poisson de mon organisme avant de m'attaquer aux autres villas. C'est le moment idéal pour une petite patrouille. Ouais, mais je sais pas quoi faire d'autre, hein, à part ça. Si, tiens, on va faire une mission secondaire. À toutes les unités des prisonniers à bord de véhicules volés, ouvre le feu sur des civils. Agent demandé à Tenderloin, répondez. Hey. Salut MJ. Est-ce que je peux te poser une question d'éthique épineuse?
Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le dos à un de ses amis? Oh, waouh, Pete. Tu penses à Otto? C'est si évident que ça? Ouais, je te comprends. Eh ben, mon côté noble et généreux me souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Mais après ce que Otto a fait, je sais pas, Pete. Je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ou même s'il a vraiment existé. Ouais. Ouais. Merci, MJ. Je crois que... il faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux, Pete. Je suis là pour toi. Mmh. En tant qu'ami, mais pas en tant que petit ami. Spider-Man. J'ai compris. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le même, là? Spider-Man, la situation est critique. L'équipe de football est partie faire un match à l'extérieur et elle n'est jamais revenue. On a retrouvé les bus vides. L'équipe, les fans, le staff? Lee s'est constitué une petite armée. T'as une piste? Quelqu'un a reconnu le quarterback, Brad Davis. Il a publié une photo. Ok, attends. Alors par contre, toi, j'ai l'impression que t'es du côté de Lee. Hein. Je crois qu'il est à côté de l'ESU. Je sais pas, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, c'est toi que je vois pour me dire quand telle ou telle personne a disparu. C'est juste en face de l'université. L'arche. C'est où? Attends. Ah, je regarde tous les trucs. Parce que moi je sais pas où est ton université, moi. Refuge de la mission scène. Écrivez plus petit, hein, on voit pas du tout. Fontaine 2 Bethesda. le même nom que le studio. Je regarde chaque truc comme ça au moins, peut-être que c'est Marisu. Campus de l'université. Ok, hop là. Et voyage rapide. Attends. Mais on dirait l'arc de Washington Square. Je crois qu'il est à côté de l'ESU. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. Alors attends. Ah mais c'est là, d'accord. Ah non, c'est moi. C'est... Putain, pourquoi tu fais jamais ce qu'on me demande? Arrête, 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 arrête. Merci. Pose ton cul et tu me laisses faire. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Ah mais s'il y avait une boussole. Ah mais j'avais une boussole, j'ai pas vu. Juste en haut de la carte. Je dois aller vers le sud. Oui, putain, c'est vrai. J'ai cru que j'y étais déjà. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Oui, tu peux fermer ta gueule. Merci. Deviens chien. L'université, il est là. Je dois aller vers le sud. Le sud sur le truc, c'est. Il faut là-bas. Que j'aille au sud. Mais c'est ferme ta gueule, s'il te plaît, merci. Au nord, je devrais descendre. Tu as marqué la S, ça veut dire sud. Donc tu fermes ta gueule et tu me laisses faire. Merci. Je connais cet endroit. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Par là alors, hein, je vais au sud là. Je suis trop au nord. Je devrais dire. Je dois aller vers le sud. Je dois aller vers le sud. Je vais au sud là. Et c'est pas à côté de l'université, hein, si tu dis. Hein. Je connais cet endroit. C'est juste. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Ok, bah je descends.
Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Je dois aller vers le sud. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Je suis trop... Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Je dois aller vers le sud. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Je dois aller vers le sud. Je dois aller vers le sud. Il faut que j'aille au sud. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Je dois aller vers le sud. Ma fifi. Attends. Elle est couchée. Et on dirait l'arc de Washington Square. Je crois qu'il est à côté de l'ESU. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. L'USU, c'est quoi ça? Je dois aller vers le sud. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Trop au nord. Je devrais descendre. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. Je dois aller vers le sud. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. Je dois aller vers le sud. Il faut que j'aille au sud. C'est juste à côté de l'université. Je connais cet endroit. C'est juste au-dessous de l'ESU. Je dois aller vers le sud. Je suis trop au nord. Je suis trop au nord. Je devrais descendre. Il faut que je descende, je vais descendre. Et cet endroit.
Qu'est-ce que ça fait là, ça? Attends. Mais on dirait l'arc de Washington Square. Non, désolé, on peut pas partir, désolé. Tu vas répandre le virus et le monde entier sera malade à cause de toi. À côté. Là. On va voir. Ah bah le voilà, ça. Pour moi, à côté de l'université, c'est à quelques centaines de mètres. Pas 3 millions de kilomètres non plus. De l'eau. Si on les laisse faire, ça risque de mal se terminer. Allez. Équipe déjà. Allez. T'es un monstre. Aïe. Voilà toi. Oula. Pour une fois, j'aimerais que notre équipe ait moins de fans. Allez. Putain, mais ils sont combien? Allez, viens là, toi. Les démons, ils sont partout. Non. Et là toi. Non. Non, t'avais pas droit toi. J'aurais bien aimé qu'il soit aussi motivé contre State. Non, t'as pas droit toi. Ah putain. Oh, t'as pas le droit de me taper, toi. T'as pas le droit, j'ai dit. Arrête, putain. Mais oh. C'est bon, c'est fini? Ouais. Putain. C'était dingue. J'étais fou. T'es pas le premier à qui ça arrive. La bonne nouvelle, c'est que les médecins ont examiné les autres et y a pas de séquelles. Oh. Merci, je sais pas comment vous remercier. Battez les Wildcats dimanche prochain et on sera quitte. Succès, trop stylé. Les étudiants disparus ont été retrouvés. Bonne nouvelle. Les choses vont peut-être revenir à la normale. Oh, est-ce que ça me manque? Ça, je te le fais pas dire. Bon bah moi en tout cas c'est ici que je vais vous laisser. Faut vraiment que je m'occupe de Scorpion. J'ai pas plus le temps de mettre depuis l'incendie.
Je pense que je peux me permettre une petite halte de fiste. On fera ça dans le prochain épisode. Donc likez la vidéo avec un gros pouce bleu, partagez avec vos amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouverai dans un nouvel épisode. Ciao ciao. Because I know I'll kill my enemies when they come.